C'est alors que le 7 août 2017, la plateforme Anté-Abana lance un ultimatum au président de la République pour qu'il retire son projet et s'adresse à la nation au plus tard le mardi 15 août 2017 à minuit, condition sans laquelle ils marcheront sur l'Assemblée nationale le mercredi 16 août 2017 afin de déposer une lettre de mise en accusation du président de la République pour haute trahison. Sentant les risques évidents d'une déstabilisation du pays dans ce bras de fer, les religieux et les familles fondatrices de Bamako montent au créneau. Dans un premier temps, ils engagent un dialogue avec la plateforme Anté-Abana pour s'imprégner de leurs revendications. Après une entrevue avec le président de la République, ils reviennent demander à la plateforme de retirer son ultimatum. Déjà présent, ceux-ci, par respect pour eux, différeront l'ultimatum du mercredi 16 août 2017 au samedi 19 août 2017. À l'issue des échanges, la plateforme informe l'opinion nationale et internationale que sa marche citoyenne et populaire du 16 août 2017, qui exigeait la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ibrahim Boubacar Keïta pour haute trahison, est reportée au samedi 19 août à 9h sur le même itinéraire. C'est à l'issue de ces différents pourparlers que le président de la République reçoit la délégation de la plateforme Anté-Abana à Koulouba le vendredi 18 août 2017 et dans la foulée, il s'adresse à la nation à la télévision pour annoncer qu'il sursoit à son projet de révision constitutionnelle. Mes chers compatriotes, j'ai décidé en toute responsabilité de sursoir à l'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Le lendemain, la plateforme Anté-Abana organise un grand meeting devant la Bourse du Travail pour célébrer la victoire de ses militants et en appeler à leur vigilance jusqu'au retrait pur et simple du projet. C'est la victoire du peuple de la plateforme, c'est la victoire du peuple malien tout entier, c'est la victoire du mouvement populaire déclenché depuis le 8 juin pour que le président renonce à cette révision anticonstitutionnelle de la Constitution. C'est la victoire du peuple tout entier, c'est la victoire de la détermination, c'est la victoire du tournant que nous avons pris à partir du meeting du 3 août. C'est la victoire de l'ultimatum. C'est la victoire de la lettre adressée à l'Assemblée nationale pour demander la mise en accusation du président. C'est la victoire du peuple malien, mobilisé, debout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est une victoire contre l'arrogance. C'est une victoire contre le mépris. Et je crois que désormais au Mali, les jeunes seront écoutés. Désormais au Mali, on va prôner le dialogue. Le président de la République ne voulait pas de dialogue. Le président de la République a été obligé de venir à un dialogue et à nous écouter. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un tournant historique dans notre pays. Et ce tournant, les jeunes, vous devez le prendre en main. C'est votre victoire. Ce n'est la victoire des personnes. Il s'agit de votre avenir. Aujourd'hui, nous avons réussi une étape, mais il y a le reste à venir. Ce bras de fer a d'abord et surtout mis à mal l'unité et la cohésion entre les Maliens eux-mêmes, des parents, des voisins, des collègues de travail, des amis, des camarades de lutte ont été divisés et ces divisions se sont souvent traduites par la violence. Le 2 juillet 2017, une délégation de la plateforme conduite par le chroniqueur Rasbat est empêchée Manu Militari d'entrer dans la ville de Bougouni. Le 19 juillet 2017, le véhicule de l'épouse de l'honorable Soumaïla Cissé est vandalisé à Bakwadji Koroni. Le même jour, le sit-in pacifique organisé devant le RTM par les associations Trop c'est trop et ça suffit, toutes deux membres de la plateforme Anté-Abana contre la censure de la télévision publique, est la cible d'attaque par des miliciens loubards, manifestement commandités. Le 20 juillet 2017, un résident du domicile des membres de la plateforme au quartier Hippodrome est grièvement blessé par balle. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2017, la voiture des militants de la plateforme à Sirakoro-Megetan est attaquée. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, le chroniqueur maréchal Madou est victime d'une tentative d'assassinat.